Clac, clac, clac. Bon, attendez, je vais vous essuyer un peu. Clac, clac, clac. Merde. Clac, clac, clac. Ah, elle marche plus. Ah, elle marche. Voilà, là, c'est le Cap Horn. Ça, c'est une partie du chemin. C'est la sixième fois que je passe le Cap Horn. C'est la troisième fois en 4 ans. C'est pas fini. Mais ça, c'est une bonne étape de fête. Voilà. Allez, mon pépère. Allez, mon Hubert. Allez. Hop, voilà. Voilà, c'est bien. Et voilà. Je suis content d'être là. Et puis, je suis content que vous m'ayez donné un coup de main. Et j'espère que vous êtes content d'être avec moi. Parce que vous voyez bien que... Ensemble, on arrive à faire des trucs quand même. Merci à tous. Clac, clac, clac. Jean Le Cam et Yann Elias, décidément inséparables, ont franchi le Horn avec seulement 1h08 d'écart. Et depuis, ils ont repris leur duel bord à bord. Le problème, c'est que Jean, il a plus de VHF. Alors, on peut plus parler. Et ça, c'est quand même un peu con. Parce que... On est à 5000 l'un de l'autre. On est obligé de s'appeler au téléphone pour parler. C'est le catch. Hein. Les 19 skippers du Vendée Globe encore en course ont déjà fêté ou fêteront la nouvelle année au gré des fuseaux horaires. Le premier, le plus proche de l'anti-méridien, la ligne de changement de date, c'était l'Irlandais Enda O'Koinen. Le dernier, ce sera l'Américain Rich Wilson. Le réveillon à bord de Comme un Solo. Allez, salut.